www.mediamosaic.com. Dans un comité interministériel qui justement pilote et voit à s'assurer que l'expérience immigrante se passe bien à travers tous les ministères qui sont impliqués. Il nous a également parlé sur le municipal. Oui, absolument. Il a répondu à beaucoup de questions qui venaient de tous les participants sur beaucoup de sujets qui intéressent les communautés culturelles et d'autres sujets aussi. Oui, en général, oui, on a toujours des ministres qui nous rencontrent et qui nous donnent l'occasion de discuter avec eux d'enjeux ponctuels et des enjeux qui sont plus larges et qui affectent les immigrants, mais aussi les personnes qui sont arrivées depuis plus de temps au Québec, parce qu'on sait qu'on a des efforts à déployer à ce niveau-là. Que M. Coiteux était disponible, de un, parce que dans le temps des fêtes, c'est difficile, et qu'il a lui-même voulu nous rencontrer. Donc, nous avons saisi la balle au bon. Nous étions à peu près une trentaine de personnes en tout et partout, oui, qui nous sommes déplacés de partout dans la région métropolitaine pour venir le rencontrer. Et d'Estrie aussi, de Sherbrooke. Mais on a profité aussi pour faire le bilan des fins de mandat de Bibiana, vu qu'elle démissionne de la commission. Alors, on a souligné le travail extraordinaire qui a été fait par Bibiana. Ah, c'est gentil, mais c'est un travail d'équipe fait parce qu'on a du travail à faire. Il faut qu'on se prenne nous-mêmes au sérieux pour commencer et qu'on s'implique. Parce que si on ne s'implique pas, on ne peut pas changer les choses. Fin février à Sherbrooke. Oui. Mais j'aimerais bien que Media Mosaic soit toujours avec nous aussi. Et on veut nous suivre sur Facebook grâce à Miguel qui est l'architecte sur la page Facebook de la Commission des communautés culturelles du Parti libéral du Québec. Et sur Twitter. Soyez avec nous. Suivez-nous. Pour mieux comprendre notre univers et une humanité de plus en plus nuancée, toute une équipe de spécialistes de l'information vous offre des vues panoramiques ou microscopiques de ce qui fait l'actualité. Un simple clic, www.mediamosaic.com.